Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Cybèle Morin. Et je suis adjudant Dave Bouchard. Voici ce qui a fait les manchettes à la Défense. Un artefact militaire irremplaçable a été renvoyé récemment au Canada. Le geste visait à commémorer le rôle que le Canada a joué pendant la Première Guerre mondiale. Canada fought for the cause of freedom across Europe throughout the First World War. This effort and those sacrifices culminated in the liberation of Mons in November 1918. This cannon is a symbol of the sacrifices and the victories of the Canadians in the First World War, a legacy that continues today with Canada's participation in NATO and peace and security in Europe. La pièce d'artillerie de campagne est arrivée récemment à Ottawa, où le roi Philippe de Belgique l'a présentée au peuple canadien lors d'une cérémonie tenue au Musée canadien de la guerre. Il s'agit de l'une des deux pièces d'artillerie que le Canada a offertes à la ville de Mons à la suite de la signature de l'armistice en 1918. La deuxième est toujours en montre au Mons Memorial Museum en Belgique. Dans le cadre du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, on encourage les Canadiennes et les Canadiens à assister aux activités de commémoration prévues en Belgique en novembre 2018. La période de production des déclarations de revenus est à nos portes. Assurez-vous d'avoir tous les documents et les renseignements nécessaires pour produire une déclaration de revenus exacte d'ici la date limite, le 30 avril. Les employés civils peuvent accéder à leur relevé d'impôt sur le portail Libre Service de Phoenix ou dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada en créant un compte Mon dossier. Si votre rémunération est erronée en raison du système de paye Phoenix, vous pourrez avoir d'autres questions sur votre déclaration de revenus. Jetez un coup d'œil aux conseils, aux outils et aux ressources sur la déclaration de revenus des fonctionnaires dans le site intranet de l'équipe RH-CIV. N'oubliez pas, si vous devez consulter un expert en fiscalité en raison des problèmes de paye de Phoenix, le gouvernement du Canada remboursera vos dépenses associées à ces services jusqu'à concurrence de 200 $. De plus, les membres de l'équipe de la Défense peuvent aussi profiter de services de production de déclarations de revenus à prix réduit par l'intermédiaire du programme de reconnaissance DFC. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.